Salut l'équipe, ça y est, on se retrouve enfin dans le jour avec le Nitro qu'on a acheté du coup ensemble. Donc je vous le remontre vite fait, là maintenant qu'il fait jour. Donc j'ai pu déjà du coup voir que les pneus ils sont crevés parce que hier du coup avant de rentrer j'ai gonflé les deux pneus pour voir. Ils ont tenu la pression sur le coup mais dans la nuit ben, ils ont perdu la pression. Donc soit ils sont crevés, soit c'est simplement les valves qui sont HS, donc ça il faudra bien sûr le vérifier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'attaquer, on va déjà lui passer un gros coup de Karcher pour essayer de le... On va pas dire, on va pas le rendre propre, mais enlever le plus gros de la crasse. Et ensuite, en priorité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la mécanique. Et on va quand même essayer au moins de le faire tourner, s'il peut tourner, bien sûr. Mais c'est le premier truc. Parce qu'avant d'attaquer tout l'esthétique et tout, il faut savoir si le bloc moteur, il est tournant ou pas. Donc voilà, je m'y colle et on vous tient informé au fur et à mesure que j'avance. Voilà. Donc voilà, ça y est, petit coup de Karcher. C'est pas ça qui va nettoyer en profondeur. Hein. C'est pas parce que c'est de l'eau sous pression que ça y est, ça nettoie vraiment tout. Il faut insister un peu plus que ça. Mais c'était vraiment pour enlever la grosse terre et la poussière, tout ça, voilà. Mais et puis ça permet aussi de voir les défauts. J'ai vu que la jante arrière elle est oxydée, la peinture elle a sauté et tout, donc ça on va revenir dessus. C'est pas le plus important pour l'instant. Là déjà j'ai pu remarquer qu'il y a clairement une très bonne compression et surtout le moteur il est pas bloqué. J'ai dû emprunter mon vieux kick soudé maison de mon proto là parce que j'ai même pas un kick pour ça, enfin pas pour le moment. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais démonter la bougie pour voir déjà d'office si on a de l'étincelle ou pas, si on a de l'allumage. Si j'ai maintenant de l'allumage, je vais foutre un peu d'huile de temps dans le cylindre pour faire tourner un petit peu le piston, parce que si ça fait vraiment longtemps qu'il est comme ça, on va essayer de le graisser tant bien que mal. Le mieux ça aurait été de tomber le haut moteur, mais bon, on va pas pousser aussi loin, pas pour l'instant en tout cas. Après on va virer l'essence qu'il y a dedans, parce que si ça fait vraiment 5-6 ans qu'elle est là, ben, c'est même pas la peine d'essayer avec. Je vais enlever les carénages ici pour pouvoir accéder au carburateur. Parce que, à mon avis, même si on arrive à le faire démarrer, le carburateur, il méritera un gros nettoyage aussi, vu qu'il est resté sans filtre air. Donc voilà, c'est un petit peu le procédé pour l'instant. Je vous tiens informé dès que ça avance. Là déjà les amis, ça commence très mal. Parce que vous allez le voir, j'ai testé plusieurs bougies, c'est juste histoire de vous montrer. Déjà, nous avons pas la moindre étincelle. Je fais ça. Et je le craignais un petit peu, mais je me suis dit, bon, scooter tout d'origine qui n'a pas bougé, pourquoi pas. Mais non, malheureusement, aucune étincelle. Et déjà la bougie dedans, elle était en état de décomposition. J'ai rarement vu ça. Mais voilà, maintenant, je vais devoir sortir mon multimètre et on va essayer de prendre des mesures par-ci par-là pour voir à quel niveau c'est que le jus il passe pas. Donc on va déjà essayer de tester bobine et CDI et voir s'il y a du passage ou pas. Mais là ça devient un petit peu plus compliqué. Généralement quand on n'a pas d'étincelle, ben, c'est là que ça commence à être emmerdant et que souvent les gens ils abandonnent. Mais on va essayer de trouver le problème. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas à chaque fois se contenter juste d'un nettoyage carbu et ça repart. Là j'ai fait en reculant, en fait j'ai testé d'abord la bougie, après j'ai testé la bobine, après j'ai testé le CDI, enfin j'ai testé, c'est un grand mot, j'ai vu s'il y avait du jus qui sortait, donc j'ai fait en reculant et jusqu'à arriver tester les fils de l'allumage et j'avais pas de jus qui sortait à l'allumage malheureusement. Donc j'ai dû tomber tout l'allumage pour vérifier s'il n'y a aucun fil de déconnecté ni rien. Malheureusement il n'y a aucun fil dessoudé ni rien, il y avait juste un peu de terre et un petit peu de rouille, mais normalement j'aurais dû avoir une petite étincelle quand même ou un minimum de jus qui sortait. Donc il y a des fortes chances pour que l'allumage soit mort pour une raison que j'ignore parce que je ne suis pas non plus expert en allumage. Bon l'équipe, je sais même plus où c'est qu'on en était parce que ça se fait sur plusieurs jours là du coup vu que ce Nitro il me prend la tête. Donc pour résumer, j'ai tombé et vérifié la boîte à clapet, j'ai changé la boîte à clapet avec les joints, on a même essayé de changer le carburateur, le scooter il démarre mais il s'éteint aussitôt, donc il tient pas quoi. Donc
Hier soir, avant de rentrer, j'ai tombé le haut moteur pour le vérifier, parce que là, je ne comprends plus. J'ai besoin de voir si le vélo est tourné librement ou pas. Voilà quoi, parce que j'ai toute la carburation et tout est vérifié, l'allumage est vérifié. On a de l'étincelle, il démarre, mais il n'arrive pas à tenir, comme si le moteur est forcé. Donc, du coup, j'ai tombé le haut moteur. Donc, vous pouvez voir, il est là. Je vous montre le piston. Il a clairement eu un serrage, je pense, parce qu'il y a des grosses rayures bien profondes dans le piston. On peut les voir là. Et par contre, le cylindre, lui, il n'a pas grand-chose, mais il y a quand même un bout de... Je sais plus où c'est exactement, mais il reste un bout de piston quelque part. Donc voilà, j'ai de la chance, c'est que dans mon bordel, malgré que normalement j'avais tout jeté, j'ai réussi à retrouver un cylindre piston d'origine qui n'est pas rayé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter ça dessus. C'est sûr, c'est pas super pro parce que c'est pas neuf. Mais tant que je suis pas sûr et certain que le moteur il fonctionne, je vais pas me casser le cul à acheter un cylindre à piston neuf. Donc je vais monter ça avec des joints propres. Mais avant toute chose, je vais vérifier que le vélo il tourne librement, qu'il n'y a pas un problème avec le vélo. Et faire un bon nettoyage quand même du cylindre avant de le remonter. Donc c'est un peu l'opération du jour pour dans l'espoir que ce nitro il va enfin redémarrer. Parce que ce moteur il est vraiment fatigué. Voilà. Bon l'équipe, ça fait le 3 ou 4e jour qu'on est dessus. Donc je vais essayer de résumer encore une fois. On a changé allumage, on a changé carburateur, on a changé cylindre piston, boîte à clapet. On a même démonté le carter variation pour vérifier le joint spi de ce côté, voir si c'était pas barré ou s'il n'était pas mort. Et toujours rien. Donc là, tout dernier truc qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de virer le pot d'échappement. Et ben, je vais essayer de vous montrer. Hein. Donc est-ce que c'était juste le pot ou est-ce que c'est parce que ben, coup de chance, ça je sais pas. À force de tout changer, mais en tout cas il reste plus grand chose d'origine du coup sur le bloc maintenant. Enfin si, faut dire qu'on n'a pas la variation, le vélo et tout ça on n'a pas touché. On a juste, ben, comme vous avez pu voir, le cylindre il était mort. Donc cylindre neuf. Voilà, on a fait le tour complet, on a même changé le CDI là. Et voilà, donc certainement que peut-être... Peut-être, je ne vais pas dire, c'est sûr. Peut-être que le pot, il était complètement bouché. Déjà, il est aplati, mais il n'est pas pincé entièrement. Ah, fait beau. Ce nitro, il a vraiment failli me rendre dingue. Donc, je pense que la vidéo, je vais couper là. Maintenant qu'on peut voir, le bordel, il parle de lui-même. On a tout, tout, tout essayé. On a tout repassé. Et voilà. N'oubliez pas de lâcher un commentaire et un pouce bleu pour motiver, et je vous reprends au prochain épisode parce que là voilà on a passé quasiment 3 après-midi juste pour le faire démarrer. Et maintenant encore il va falloir tout contrôler, tout rebrancher comme il faut, le refroidissement et tout, il n'est pas branché. Voilà, à la prochaine les amis, ciao ciao.